vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Coucou, alors je vous montre. C'est des restes de pommes de terre que j'ai avec des petits champignons frais que j'ai coupés. Et que là, je vais couper encore celui-là. J'ai laissé la peau parce qu'ils sont bien frais. Et puis, en fait, je vais mettre avec... Je suis désolée, mais mon truc, il ne marche plus. Donc, voilà, avec du cœur de saumon qui me reste. Je le mettrai au dernier moment, en fait. Et je vais mettre du citron. Voilà. Voilà. Je mets du citron. Hop. Hop et hop. D'accord. Et je vais mettre de la crème fraîche. Alors, je vais rajouter de la persillade. Je suis désolée, je suis obligée de faire comme ça. J'espère que ça ne va pas trembler. Voilà. J'aurais voulu de la nette, mais je ne sais pas si j'en ai. D'habitude, j'ai toujours de la nette, mais là, j'en ai pas. C'est pas grave, on va inventer une recette. Hein. Donc, je mets beaucoup. Je mets beaucoup de citron dans la crème fraîche. Voilà. Ok. Je touille. Je suis désolée si ça tremble, mais c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et pour épaissir, c'est Francette qui l'a dit. C'est Miss Gazelle qui l'a dit. Alors on le fait, hein. Attendez, je vous montre, j'essaye de faire le maximum que je peux. Hein, c'est pas évident, hein, je ne vous cache pas. Parce que j'ai plus de truc. Il ne marche plus. Voilà, il est là. Mais franchement, ça ou rien, c'est pareil. Donc là, je perds entre les jambes et j'ouvre la moutarde. Là, on va laisser mijoter. Là, j'ai encore de la nette. Je suis trop contente d'avoir retrouvé la nette. Voilà, les champipis, comme de terre. On laisse mijoter pas mal de temps. Et au dernier moment, je rajouterai le saumon. Voilà, voilà. Là, j'ai arrêté. C'est bien épais. Vous avez vu, elle est super bien épaisse. Elle a bien épaissi. Maintenant, ce que je vais faire au dernier moment, alors bien sûr, ben voilà, je vais prendre un ciseau et je vais couper. Voilà, avec des restes de pommes de terre, champignons et saumon. Voilà ce que je me suis fait. Bon, je vais manger ça, hein. Je pense que ça ne doit pas être mauvais du tout. Hein. Voilà. Et le saumon, je ne l'ai pas cuit, hein, parce que c'est du saumon fumé. C'est un reste de saumon fumé d'hier. Hein. Voilà. Et ben voilà ce que j'ai fait comme petite recette. J'ai oublié de couper la patate, c'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, hein. Bon appétit. Voilà le repas en 2 secondes. Pommes de terre, crème fraîche, salade. Saumon frais, fumé et champignons. Voilà. Bah, si vous voulez le faire, avec plaisir. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Alors... ouais, je suis sur mon nouveau fauteuil là que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors tout ça pour vous dire que ben allez, c'était délicieux, c'était une tuerie, je me suis régalée. J'ai pas mis longtemps, j'ai utilisé vraiment très peu d'ingrédients. J'avais des pommes de terre qui étaient déjà cuites parce qu'on avait mangé du magret hier. Donc j'avais des pommes de terre rissolées, des champignons que j'ai coupés, de la crème fraîche, de la moutarde, de la nette, un petit peu de fenouil, en herbe, et de la persillade, et puis voilà, et j'ai fait revenir tout ça, et beaucoup de citron, et c'était une tuerie. Vous avez vu comment elle a épaissi, la crème fraîche, c'était délicieux, je me suis régalée. J'ai revisité les pâtes au saumon, voilà, allez, sur ce, ben voilà, j'essaye de me reposer, de prendre mon temps, parce que voilà, je suis fatiguée, voilà, bref. Je vous embrasse très fort, je vous dis I love you, je l'ai vu, je t'ai guédou, qui amo, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, enfin faites ce que vous voulez, je m'en fous, je vous aime. Abonne-toi et active la cloche.